Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo qui est totalement nouveau sur la chaîne. On va chasser le ragondin, mais pas avec une arme, on va le chasser avec des pièges. Donc on va piéger le ragondin. Là je suis dans une zone où il y a quelques étangs, quelques douves. Il y a énormément de ragondins ici. Là je suis dans les bordures, dans les roseaux, dans les arbres. Et en fait les ragondins, là ils se cachent dans cette végétation. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les chasser. Du coup il y a une solution pour essayer d'en attraper un maximum. Ça va être de les piéger avec une cage. En fait, qu'on va disposer à des endroits stratégiques, les endroits où les animaux fréquentent, et comme ça, hop, on va les attraper pour ensuite on pouvoir les tuer comme ça directement dans la cage. Ça va être une vidéo sur plusieurs jours, hein, parce que les cages, forcément, il faut qu'elles restent tendues pendant plusieurs jours pour espérer attraper un ragondin. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des caméras de surveillance à côté de chaque cage, comme ça, on pourra voir si les ragondins évitent la cage, si on voit d'autres animaux. Cette vidéo, elle est en partenariat avec NaturaBuy. NaturaBuy, c'est un site internet où vous pourrez trouver tout votre équipement de chasse, de pêche, tout ce qui touche à la nature. C'est sur ce site que je vais commander les différents produits qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite à la maison pour commander ça. Et on se retrouve quelques jours plus tôt à la maison pour commander les cages à ragondins. Alors NaturaBuy, si vous ne connaissez pas, c'est un site internet, peut-être bien un des plus connus, où dedans vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'articles de chasse, de pêche, de tir, en fait tout ce qui touche à la nature. C'est également un service de petites annonces où vous pouvez poster vous-même en tant que particulier vos annonces. C'est super bien fait. Moi je l'utilisais avant de travailler avec eux, c'est pour vous dire. Vous trouvez tout, hein, des armes, des munitions, vous trouvez absolument de tout. C'est vraiment super bien. Il y a une vraie sécurité d'achat, hein. C'est vraiment un site sérieux, avec des acheteurs sérieux, c'est vraiment très très bien fait. Donc c'est parti, on va regarder ce que je peux trouver dessus en cage à ragondin. On va taper cage à ragondin, alors qu'est-ce qu'il me propose? Alors il y a pas mal de choses, donc on peut voir il y en a qui sont des vendeurs d'occasion et il y a des vendeurs professionnels. Celle-ci elle est mieux en termes de taille, on va regarder ça, qu'est-ce que c'est? 98 € la cage, bon. Ouais, mais ça m'a l'air pas trop mal. Bon, on va en prendre deux. On va prendre deux petites cages comme ça, ajouter au panier. Voilà, continuer mes achats. Avec ça, pour la vidéo, je vais mettre des pièges photos à côté de chaque cage pour pouvoir vous filmer tout ce qui s'y passe autour, parce qu'on peut peut-être aussi observer des animaux, pas forcément qui rentrent dans le piège et qui sont attrapés, mais on peut observer des animaux qui passent autour, plein de choses. Donc c'est toujours hyper intéressant, sauf que j'ai pas de piège photo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Piège photographique Browning. Ça c'est pas mal, c'est de la bonne qualité, ça c'est vachement bien. Ils sont en promo en plus, ça c'est cool. Surtout qu'en plus sur NaturaBuy, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais. C'est franchement ouf. Et en plus de ça, si les produits ne vous conviennent pas, vous avez une garantie satisfait ou remboursée. Ça franchement, c'est vraiment très fort. Donc franchement, n'hésitez pas, il y a des très belles affaires à faire. Donc là, deux petits pièges photo. Bon, écoutez, on va peut-être prendre ça. Hein. Pas mal, hein, on va en prendre un. Alors, dernier exemplaire. Bah, il m'en faut un deuxième. On va prendre celui-ci. On a les deux cages et les deux pièges photo. Je vais commander ça. Et en plus, si vous avez le moindre problème, il y a une ligne téléphonique avec des vraies personnes derrière qui sont là pour vous répondre à toutes vos questions. Donc franchement, non, sérieusement, moi je vous le dis, hein, c'est un site que j'utilisais avant de travailler avec eux. Et aujourd'hui, bah, je suis quand même assez fier de pouvoir faire cette vidéo en partenariat avec eux. Donc c'est parti, j'ai commandé ça. Et puis nous, on se retrouve tout de suite dans les marais pour aller poser ces cages. Et voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai reçu les cages qui sont juste à côté de moi. J'ai également mes petits pièges photos pour immortaliser la scène en direct. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un endroit où les ragondins aiment bien fréquenter, une zone de passage. En fait, c'est vraiment ça. Pour être efficace, pour piéger un ragondin, il faut le mettre sur une zone de passage. Alors, ce qui est facile, c'est que les ragondins, généralement, ils prennent toujours les mêmes axes. Donc, on va avoir des grosses coulées où vraiment, on voit que c'est très piétiné, il y a pas mal de passages. Et donc, on va déposer la cage, on va essayer de la camoufler un petit peu. Et donc, on va laisser cette cage au moins une nuit. Souvent, les ragondins sont nocturnes, donc on les risque de les attraper en pleine nuit. Et donc, comme ça, tous les matins, pendant plusieurs jours, on va relever les cages. L'avantage, c'est que ces cages, en fait, eh ben, elles vont pas tuer l'animal. Pourquoi c'est important? Parce que bah, ça peut arriver d'attraper des animaux autres que des ragondins. Et forcément, si on utilisait des pièges tueurs, eh ben, là, ce serait un vrai problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les marais, les pièges tueurs sont interdits parce qu'il y a pas mal d'autres espèces qui peuvent se faire prendre accidentellement et des espèces qu'on ne doit pas tuer. Hein. Donc là, elle est active. Hein. Donc vous avez vu, les portes sont relevées. Et donc en fait, au milieu, il y a une petite palette, où en fait, quand le ragondin va marcher dessus, et ben ça va déclencher le système qui va faire tomber les portes. Regardez. et voilà. Les portes tombent en même temps et le ragondin, bah, il est pris au piège. Et puis bah, là, j'ai plus qu'à venir pour l'achever directement dans la cage. Alors souvent dans les cages comme ça, on aime bien mettre des appâts, des carottes ou des pommes, ça marche très bien. Là pour l'instant, je vais commencer seulement sans rien. On va juste les mettre dans des endroits vraiment stratégiques. Je suis assez confiant parce que ici, c'est infesté de ragondins, mais il y en a, mais c'est affligeant tellement qu'il y en a. Donc je pense que même sans appât, ça suffirait. Mais sinon, si vous voulez faire ça chez vous, n'hésitez pas à mettre un bout de carotte ou un bout de pomme, ça marche très bien. On va essayer de trouver un petit endroit sympathique où disposer ces cages. Regardez cet endroit, là il y a une touffe de saules et derrière il y a une petite douve. Et là on voit très bien, regardez ça, c'est ce qu'on appelle une coulée. C'est un axe de passage où les animaux sauvages empruntent tout le temps et on voit, hop hop hop, hop ça file jusqu'à là-bas. Et donc là, on voit bien que c'est très fréquenté, il y a des traces de ragondins, il y a quelques crottes. Donc là, clairement, ça pourrait être une belle zone pour mettre une cage. Je ne vais pas en mettre une là parce qu'en fait, la zone est un peu trop à découvert. Et une cage, des fois, les animaux peuvent la contourner. Donc on va trouver un endroit un peu plus dense où on pourra bien la camoufler. Comme ça, les ragondins, ils rentreront sans être inquiets. Ce sont des crottes de ragondins, des sortes de petits cornichons là qu'on voit. C'est des crottes de ragondins, il y en a absolument partout ici. Regardez, il y en a encore d'autres là, il y en a vraiment partout. Donc là, vous voyez bien, hein, c'est très fréquenté. En fait, ils viennent manger l'herbe ici, puis bah voilà, puis ils se promènent là-dedans. Regardez, encore des grosses crottes de ragondins. Il y en a encore tout plein ici. Là, on voit qu'ils fréquentent beaucoup cette zone. Ils viennent manger ici. Regardez tout ce qu'il y a comme crotte encore ici, là. Il y en a partout. Là, on voit bien, ils viennent manger là-dedans. La bonne végétation, là, ils aiment bien ça. Hein. Bah, regardez, je fais que je dise ça. Regardez cette coulée. Alors là, il y a peut-être aussi des sangliers qui doivent passer, je pense. Regardez là, ça, c'est hyper intéressant. Une grosse coulée. Tout le long qui passe un peu dans ces roseaux là. Là ça va être pas mal pour mettre une cage parce que regardez là, on peut mettre la cage ici, elle sera camouflée et les ragondins ne vont pas trop les repérer, ça c'est bien. Là je pense qu'ici je vais mettre une cage. Là je vais mettre ma cage ici moi, là c'est vraiment parfait. Voilà, on va la mettre là, on va la ravancer un peu. Voilà, on va la mettre là la cage, là elle sera super bien. Là la cage elle est super bien, la coulée elle est bien ici, hop. Alors faut pas hésiter des fois à boucher un petit peu les côtés pour que les ragondins, bah hop, ils bifurquent pas le long de la cage. Là cette cage elle me plaît bien parce que regardez, ici il y a vraiment cette coulée qui est là, hop, tout là, et hop, la cage est pile dessus. Et en fait si on traverse la cage, on arrive sur l'autre côté de la coulée. L'herbe elle est vraiment piétinée ici. En fait le ragondin va rentrer là. Là ce qui est cool c'est que c'est bien bouché des deux côtés, donc il n'a pas le choix, il peut que rentrer dans la cage. C'est top. On voit bien ici que c'est bien fréquenté. On verra bien ce que ça donne. Et voilà, j'ai installé la caméra juste devant la cage. J'ai mis ça sur une vieille branche bien enfoncée. Normalement, ça va pas bouger. Normalement, on va bien voir la cage. Donc là, hein, la coulée est ici. Donc normalement, les ragondins vont arriver là. Peut-être de l'autre côté aussi. Hein. J'espère qu'ils vont arriver là. On les verra mieux. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Normalement, il y a le son sur ces caméras. J'espère. Hein. Ce sera bien. Peut-être qu'on verra des surprises hein, avec cette caméra de surveillance. J'ai trouvé le deuxième endroit où je vais mettre la deuxième cage. Cette fois-ci, c'est une zone un peu plus à découvert que la première. Mais là, juste devant moi, il y a une autoroute, ni plus ni moins. C'est hyper fréquenté. Il y a aussi des traces de sangliers. Peut-être qu'on aura une surprise de voir un sanglier passer. Bon, le sanglier rentrera pas là-dedans, je vous rassure. Mais les ragondins empruntent aussi, hein, parce que je vois pas mal de crottes et de traces de ragondins. Ça, ici en dessous. C'est bon des deux côtés, on appuie, c'est bon, voilà, on met ça en tension, et normalement, voilà, ça devrait pas être trop mal. Alors faut bien que ça tienne par contre. Allez, c'est nickel, on la laisse, et ben on se retrouve ici demain matin, en espérant avoir un ou deux ragondins dans toutes les cages qu'on a installées. On va croiser les doigts. On se retrouve le lendemain. J'ai pas encore regardé dans les cages, je sais pas du tout si on en a attrapé ou pas. J'espère juste qu'elles sont pas tombées toutes seules parce qu'il y a eu beaucoup de vent cette nuit et des fois bah, ça arrive que ça fasse déclencher le mécanisme. On va bien voir, c'est parti. J'espère avoir chopé un ragondin. Honnêtement, j'espère au moins en avoir un parce que je les ai mis vraiment dans des zones où il y en a vraiment beaucoup. Ah, il y a une cage qui est fermée, il y en a une autre qui est encore ouverte à ce que je vois. Celle qui est fermée, c'est celle qui est dans le passage, dans la végétation, c'est la première. Honnêtement, sur le papier, c'était la meilleure, hein, parce que la deuxième, elle était un peu trop d'espace à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, il y a un gros ragondin. Waouh, il est énorme. Il est gigantesque. Regardez ça, ce gros ragondin. Ah bah alors. Oh là 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 là, là il est pas content. Oh là là, un gros ragondin. J'espère que la caméra aura enregistré la scène. Ce serait cool. Là, faut pas mettre son doigt, je vous le dis. Hein. Regardez. J'ai ramené la 22. On va le tuer avec une petite balle dans la tête. Honnêtement, c'est la mort la plus efficace qu'il pourra avoir. Il va pas se voir vous mourir. Vous verrez, c'est instantané. C'est important quand même de les tuer proprement. Hein, quand même, c'est la moindre des choses. C'est un beau ragondin, un ragondin adulte. Il est pas tout petit hein, quand même. Hein. Vous pouvez voir, il est bien agressif, mais il est pas très content. En même temps, je pense qu'à sa place, je serais pas très content non plus. Alors vous avez vu, hein, j'ai ma 22. Ça va me permettre de le tuer rapidement et sans souffrance. On va lui mettre une petite balle dans la tête. Là, voilà, la carabine est chargée. Alors si vous vous posez encore des questions, pourquoi est-ce que j'ai piégé un ragondin? Eh bien parce que c'est une espèce qui n'a rien à faire chez nous, hein, bien sûr. C'est une espèce qui pose plein de problèmes écologiques, sanitaires, économiques. C'est une catastrophe. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous le savez. Et voilà, bon, je vais pas le faire trop attendre. On va l'achever tranquillement. Vous verrez, hein, c'est pas très compliqué. Ce qui est bien, c'est que le grillage de cette cage est assez gros, donc on peut passer le canon de la carabine. Donc là, une petite balle, hein, bien sûr, ça va suffire. On va l'achever tranquillement. Voilà. Vous avez vu, hein, c'est automatique, hein, c'est on-off. Hein, quand on tire une balle comme ça dans la tête d'un animal, c'est sans souffrance. On va le ressortir. Voilà, notre ragondin, il est là. On retendra la cage tout à l'heure. Alors j'ai oublié mes gants, alors j'ai pris un sac plastique que j'avais dans mon sac. Parce qu'un ragondin, bien sûr, on le manipule toujours avec des gants, c'est hyper important. Ah, donc là, on a un beau gros spécimen, c'est une femelle. Hein. Une femelle qui m'a l'air pleine en plus. Donc ça, c'est un bon prélèvement. Elle est grosse, hein, elle est vraiment balèze. Ah, je vous le rappelle, hein, si vous ne le savez pas encore, mais la fourrure de ragondin, elle est super pour faire tout un tas d'objets, de petits chapeaux, de plein de choses. Si vous êtes intéressé, dans la description, je vous mets un petit guide gratuit qui vous explique les 5 objets réalisables en fourrure de ragondin. Vous avez simplement à mettre votre adresse mail dedans pour le télécharger, c'est aussi simple que ça. Et vous verrez, avec ça, on peut faire des superbes choses. Moi, j'adore de temps en temps garder une belle fourrure de ragondin. Celle-ci, je vais la garder, je pense, pour la tanner et ensuite fabriquer des petits objets. C'est toujours super. Ah bah écoutez, première nuit de piégeage, et bah ça a marché. Je pense que la deuxième cage, je vais vous montrer tout à l'heure, elle n'a pas marché. J'ai regardé à la caméra, il n'y a pas d'animaux qui sont passés à côté, donc je vais la bouger, je vais la mettre dans un autre endroit. Et puis je pense que celle-ci, par contre, on va la remettre au même endroit. Parce qu'à mon avis, il y a bien moyen d'attraper un autre ragondin. Souvent les ragondins, ils empruntent toujours les mêmes axes. Et s'il y en a un qui le passe, il y en a sûrement d'autres qui vont passer. Donc à mon avis, ça vaut le coup d'essayer. Donc là, voilà la deuxième cage avec la caméra qui est ici. Donc là, bon, je ne suis pas vraiment surpris parce qu'au final, elle est vraiment à découvert. Il faut vraiment mieux la mettre vraiment dans de la végétation un peu dense où les animaux sont obligés de passer là. Parce que ça se trouve, on a des animaux qui sont passés là, mais bah, ils ne sont pas passés dedans, quoi. Donc c'est pas grave, je vais trouver un autre endroit. Là, je viens de trouver un deuxième super beau passage, hyper fréquenté. On peut voir ici, c'est tout piétiné, ça passe là-dessous. On voit bien que c'est leur passage. Donc là, c'est une situation qui est similaire à la première cage. Donc je pense qu'ici, on va augmenter nos chances d'attraper un ragondin. On voit, hein, c'est vraiment piétiné de chez piétiné. Il y a de la boue, il y a des crottes. Il passe toujours ici. Donc on va mettre la cage. Je vais la retendre. Voilà. Il faut bien la coller à la végétation. Il ne faut vraiment pas qu'il voit la différence. Et à mon avis, je croise les doigts, mais normalement, le ragondin va arriver par ici. Parce qu'en fait, ils passent leur journée cachée dans la végétation. Et ensuite, ils se déplacent vers des zones pour trouver à manger. Et c'est vrai que par là, il y a quelques prairies, il y a de l'eau aussi. Et forcément, les ragondins, ils aiment bien être dans l'eau. Donc, à mon avis, il y a de fortes chances que ça arrive par là. Bon, il suffit que je dise ça pour qu'un ragondin arrive ici. De toute façon, je vais mettre la caméra juste à côté pour ne rien louper. Et on est le deuxième jour. On va aller relever les cages. Bon, je vous cache pas, il y en a une devant moi, elle est fermée. Normalement, elle est occupée. Mais par contre, la deuxième, elle est toujours ouverte. Je pense que je vais la redéplacer. Comme quoi, hein, c'est pas si facile que ça. Il est un peu plus petit que le précédent. En gros, hein, bah, il est pas content. Hein. Regardez-moi, c'est dents que ça. Là, je peux vous dire, hein, vous mettez votre doigt, il vous le coupe. Hein. Et il grogne, il est pas content. Regardez-moi ça. Hein, ragondin. Il est beau quand même. Hein. Un beau ragondin quand même. On va charger la carabine. Là, ça y est, c'est chargé. Et puis, bah, on va lui mettre une petite balle dans la tête pour pas qu'il souffre. Ah, 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 attaque pas mon truc, moi. Voilà. C'est efficace, hein. Il souffre pas comme ça. Hein. Bon, là, cette fois-ci, j'ai pas oublié les gants. Je vais les mettre. C'est important hein, de toujours manipuler un ragondin avec des gants. parce qu'ils sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à l'homme, notamment la leptospirose, hein, qui peut être vraiment grave. Hein. Je crois que quand on l'attrape, on a entre 15 et 20% de chance d'y rester. Hein. Donc ça rigole vraiment pas. Allez, un petit ragondin, il est plus petit que celui d'hier. Mais bon, un bon prélèvement encore. Un de moins à faire des bêtises. On va lui couper le petit bout de la queue, parce que vous le savez, les ragondins, vu que c'est une espèce envahissante qui pose plein de problèmes, elle pose tellement de problèmes, notamment économiques, écologiques, etc., que bah, y a une petite prime à la queue qui est faite pour chaque ragondin tué, pour inciter les gens à en tuer un maximum. Donc juste à prendre le petit bout de la queue, hop là, et voilà. Ça, par chez moi, ça vaut 2 €. Vous êtes nombreux à me demander comment toucher cette prime avec les queues de ragondins. Alors ça change selon les départements, donc j'ai qu'un seul conseil à vous donner, contactez votre fédération de chasse et puis elle vous le dira, parce que bon, il y a différents organismes selon les départements, ça change, donc voilà, contactez votre fédé, je pense qu'elle aura la réponse qu'il vous faut. Toujours sympa moi de piéger comme ça les ragondins, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Et puis bah, faut trouver quand même un petit peu l'endroit, parce que comme je vous l'ai dit, hein, la deuxième cage, ça fait 2 nuits où elle a rien attrapé. Hein. Je l'ai changé 2 fois de position, là je vais la remettre à un autre endroit, j'ai retrouvé une autre coulée qui n'est pas trop mal. Alors des fois pas obligé de changer, hein, suffit d'attendre, mais là bon je vais essayer de changer parce que là il y a tellement de ragondins dans le coin, je sais qu'à d'autres endroits il y a moyen que j'en attrape quelques-uns. Bon voilà la deuxième cage, comme vous l'avez vu elle est encore ouverte. Alors je pense que c'est pas forcément un mauvais endroit, hein, honnêtement il n'est pas trop mauvais. Mais il est peut-être un peu moins fréquenté que d'autres, donc je vais la bouger et la mettre à un endroit qui me semble un peu mieux. Et regardez ce que la caméra a filmé pendant la nuit. Il y a un ragondin qui est venu inspecter la cage alors qu'elle était encore tendue. Il l'a reniflé un petit peu dans tous les sens. Il voyait bien que c'était bizarre. Alors sûrement qu'il devait sentir mon odeur. Et on peut voir, il se met bien sur ses pattes arrière. Hein. Il se met un peu comme un lapin. D'ailleurs, le ragondin a beaucoup de points communs avec le lapin. Il se met sur ses pattes arrière, il renifle. Et puis bon, celui-ci, il était un peu plus méfiant. Et il s'est éclipsé tranquillement et retourné vivre tranquille dans le marais sans rentrer dans la cage. Eh ben les amis, on se retrouve 3 jours plus tard. 3 jours de bredouille, littéralement. Les premiers jours ont bien marché avec chaque fois un ragondin. Mais là, ça fait 3 jours de suite que bah, il n'y a pas de ragondin. C'est comme ça. Mais là, je viens d'aller voir. Et les 2 cages, cette fois-ci, sont fermées. Vous pouvez voir, le marais est un petit peu monté. Donc, je pense que ça fait bouger les ragondins. Un petit doublé qui fait plaisir. Ça va être les derniers moments de piégeage, parce qu'après il y aura trop d'eau dans le marais pour mettre les cages. Si vous êtes envahi de ragondins par chez vous, ou s'ils posent pas mal de problèmes, piéger des ragondins c'est facile honnêtement, ça prend pas tant de temps que ça, et puis c'est efficace surtout. Bon voilà le ragondin, cette fois-ci il n'est pas très gros ce ragondin, on peut voir il y a quand même pas mal de flotte, c'est pour ça que je vais enlever les cages. Mon gros. Allez, on va le tuer tranquillement. Voilà. Notre petit ragondin, il est mort. Voilà. Un ragondin de taille moyenne. Hein. Pas un très vieux, ça. Hein. Voilà notre 2e ragondin. Encore une fois, un tout petit. Bon, il est pas content. Hein. On va le tuer. Et voilà, c'est efficace. Il y a un petit ragondin là. Là c'est un petit ragondin, plus petit que le premier. Et ben on va clôturer cette petite série de piégeages par ces deux petits ragondins. Bien sûr, comme d'habitude, je vais prendre le bout de la queue pour toucher la prime de 2 €. Bon, les caméras, elles n'ont pas réussi à immortaliser toutes les scènes. Et souvent, les ragondins arrivaient du mauvais côté. Mais bon, c'est quand même un bon atout pour observer la nature sans trop la déranger. Et bon, elles ont quand même permis d'enregistrer des petites scènes sympas. Mais voilà. En tout cas, je tiens encore à remercier NaturaBuy d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur NaturaBuy pour vendre tous vos produits, surtout pour acheter plein de choses, que ce soit du neuf, de l'occasion. Vous trouverez de tout, hein, des armes, des munitions, des vêtements, enfin tout, vraiment tout. C'est un site qui est hyper fiable, hein, que moi j'utilisais avant de travailler avec eux, donc franchement n'hésitez pas. Donc moi ces 2 petits ragondins, je vais les donner à mon ami Tanner, qui sera super content d'avoir la fourrure, comme quasiment tous les ragondins que je lui amène. Voilà pour la destinée de ces animaux. Bah écoutez, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Un petit concept qui change de d'habitude. Je pense qu'il y a pas mal d'autres choses à faire sur du piégeage et aussi avec des caméras, j'ai pas mal d'idées en tête. Donc si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez votre pouce bleu si vous avez kiffé. En tout cas, moi je vous remercie encore et on se retrouve à très vite pour de prochaines aventures. Bisous bisous.